la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État à président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du FASO, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Une suspension est intervenue, à la suite de laquelle les assises ont entendu et adopté des recommandations, à savoir 1. Augmenter le nombre de sièges à l'ALT afin de prendre en compte certaines composantes des forces vives de la nation qui n'y sont pas. 2. Augmenter le nombre de membres du gouvernement par l'ajustement de certains ministères pour plus d'efficacité au regard des enjeux et priorités du moment. 3. Impliquer les groupes spécifiques dans les sphères de décision. La prise en compte des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées dans toutes les sphères de décision. 4. Accélérer l'offre et l'accès des populations aux services sociaux de base. Les 4 points de l'ordre du jour ayant été épuisés, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a procédé à la clôture des travaux dans son discours de clôture. Monsieur Émile Zerbeau, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité, a félicité les participants pour leur engagement et pour les résultats atteints. Il a indiqué que la charte de transition amendée offre des leviers plus puissants aux organes de gestion de la transition pour l'achèvement du processus de reconquête du territoire, la gestion de la crise humanitaire et la mise en œuvre des projets et programmes de développement en cours. Il s'est félicité du fait qu'une fois de plus, les fils et les filles du Burkina Faso ont montré leur capacité de surmonter les intérêts individuels au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Il a invité toutes les forces vives de la nation à rester toujours mobilisées et engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie qui se battent sur le théâtre des opérations avec bravoure et vaillance pour une libération totale du Burkina Faso. Fin à Ouagadougou le 25 mai 2024, le président dit ce nous.